Je m'apprête à sortir me balader dans Paris, seule. Ça va être la première fois que je vais être dans Paris toute seule. J'ai toujours été au moins avec quelqu'un. Donc, je me sens pas mal stressée. De base, j'avais envie d'aller au musée de la vie romantique, qui a l'air d'être absolument magnifique. Mais sur le site, j'ai rien compris de comment faut faire pour avoir des places. Ça me stressait, donc je me suis dit, bon, on va take it slow, on va pas faire des choses qui nous stressent trop. Donc là, j'ai prévu d'aller au quartier Saint-Michel, qui est un de mes quartiers préférés dans Paris. Après, je connais pas Paris par cœur, mais de ce que je connais, c'est mon endroit préféré, le quartier Saint-Michel. Donc là, je me dis que je vais juste aller me balader là-bas. Et bien sûr, je ferai des librairies, je pense. Est-ce que j'achèterai des livres? Vous le saurez très vite dans cette vidéo. Alors là, il y a eu plein de changements de programme en très peu de temps. De base, j'avais prévu d'aller avec une amie au musée de l'Orangerie vendredi, mais on a regardé et en fait, le musée de l'Orangerie est plein toute la semaine. Donc, je ne vais encore pas pouvoir aller au musée de l'Orangerie pour ce séjour à Paris. Donc un jour je pourrai aller au musée de l'Orangerie. Donc du coup avec mon amie que je vois vendredi, on va au musée de la vie romantique. Comme ça je ferai au moins un musée cette semaine. Le musée de la vie romantique, il a l'air d'être vraiment magnifique. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire le musée de l'Orangerie un jour. Donc là je vais aller au quartier Saint-Michel. Et demain je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être chercher un autre musée que je connais pas. Ou un autre quartier à visiter, je sais pas. Hier, comme vous avez pu le voir sur les images, je suis sortie me balader dans Paris toute seule. Je suis allée au quartier Saint-Michel que j'adore. Moi, je suis pas habituée à Paris et il y a beaucoup de gens dans les rues. C'est vrai que moi, je me rends pas compte du coup. Parce que je pense que les personnes qui habitent à Paris sont habituées. Mais nous autres, personnes non parisiennes, nous ne sommes pas habituées au fait qu'il y ait autant de gens dans les rues et qu'il faut se frayer des passages comme ça. Je me suis mise aucune pression, je me suis faite confiance et j'ai passé une super journée et j'ai eu très peu d'anxiété. Je suis même pas sûre de... Est-ce que j'ai... Bah je crois que des fois je m'inquiétais un petit peu du regard des gens, mais pas d'une manière qui trop importante. Il y a même un moment où je suis allée m'acheter un goûter dans une boulangerie et je suis allée dans un parc. Le parc juste à côté, Shakespeare et compagnie, il y a un parc juste à côté, où d'ailleurs dans ce parc il y a le plus vieil arbre de Paris. Voilà, j'ai appris ça en y étant. J'étais dans ce parc et je mangeais mon goûter toute seule. Et je ne m'inquiétais pas du regard des gens. Je me suis même pas dit « Ah, ils peuvent se... » Enfin, j'y ai pensé. Je me suis dit « Ah, peut-être que les gens, ils peuvent se dire « Ah, la fille, elle mange toute seule. » Mais je m'en fichais. Et c'est tellement un character development parce que la moi de 15 ans, je pense, je sais pas si j'en aurais été capable. Aujourd'hui, il fait moins beau qu'hier. Il fait très gris. Je crois même que sur Internet, ils disent qu'il va pleuvoir. Pour l'instant, il a pas plu. Donc j'ai un peu peur de sortir et de me prendre plein de pluie sur la tête, donc mais j'ai envie de profiter de ma journée à Paris, donc je vais sortir, surtout que là c'est un peu ma dernière journée toute seule, parce que demain je vois une amie, et après je pars, donc j'ai envie de profiter de ma deuxième et dernière journée toute seule à Paris, pour l'instant du moins, parce que je vais sans doute en revivre, mais je sais pas trop quoi faire, je serais bien motivée pour aller dans des friperies. Mais en même temps, je me dis, c'est dommage, j'aimerais bien aussi me balader, faire les petites boutiques dans les rues, voir un peu les spécialités. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de visiter une ville. Après, je pense que chacun le voit différemment, mais moi, c'est comme ça en tout cas que j'aime visiter des villes.
Et la dernière, soyez heureux, s'il vous plaît. Je suis enfin posée le temps de quelques jours parce que dans 2 jours, je repars à l'aventure. Je repars en vadrouille. J'ai été super contente de passer ces quelques jours à Paris. Ça me stressait beaucoup parce que je devais me balader dans Paris toute seule. Mais au final, tout s'est bien passé. Je suis une personne très anxieuse et... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas trop, en mode « Ah mais tu stresses, mais t'inquiète, ça va bien se passer. » Moi en fait, je suis stressée et angoissée au point où, quand je sors, alors pas systématiquement parce que des fois je peux aller aux courses et ça va, mais quand je dois faire quelque chose ou... Enfin même des fois, même des petites choses pour certaines personnes, je pense que ça dépend, mais quand je sors, je me dis que je peux mourir. Que je peux juste décéder ou qu'il peut m'arriver une chose catastrophique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent se reconnaître là-dedans, mais si par exemple je vais à... Des fois on avait prévu d'aller dans un endroit, donc un endroit fermé, et moi je me dis mais peut-être que c'est une arnaque et qu'en fait ils invitent les gens pour les tuer et tout. Et du coup c'est très compliqué pour moi de faire des choses, enfin je le fais parce que je me dis, parce que ce qui est chiant, c'est qu'il y a une partie de mon cerveau qui est en mode « Mais peut-être que si tu vas là-bas, tu vas juste décéder. » Voilà. Mais il y a une autre partie de moi qui est en mode « Mais fonce, fais-le, si tu le fais pas, tu vas rater ta vie. » Donc j'ai ces deux voix dans ma tête. Et du coup, je fais les choses et je garde une poker face, mais à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que je rentre dans l'endroit, tout va bien. Je me sens bien. Et... c'est souvent l'appréhension. J'ai juste aimé prendre ce temps pour moi et le premier jour, j'ai fait je sais pas combien de librairies. Et, oh tiens, une librairie, bah tiens, je rentre et je me balade. Vraiment, se balader seul, je recommande. T'as le temps pour toi, tu peux faire ce que tu veux. Et en plus, ça te permet d'être concentré sur toi-même. Et moi, pendant que je marchais, je me faisais pas une grosse remise en question. Je pensais à ma vie et tout, mais j'étais juste avec moi et je regardais autour de moi et j'étais juste bien et... Et je pense que, c'est peut-être bête, mais je pense que ces quelques jours où je me baladais toute seule, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, un peu plus, et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ma propre compagnie et tout. Donc là, je suis rentrée un peu plus sereine et un peu plus sûre de moi. Ce qui m'a aidée, c'est que je me suis dit, je m'en suis rendu compte en fait pendant que je marchais, je me suis dit, mais en fait, Paris, c'est tellement une grande ville que toi, en fait, t'es un peu insignifiant et tu te fonds dans la masse. Ça peut paraître idiot, mais moi c'est un truc qui m'a rassurée en fait, parce que je me suis dit mais en fait les gens vont pas me juger ou quoi que ce soit, les gens
c'est tellement grand en fait que les gens te voient pas. Et après, ça c'est un conseil à prendre ou à laisser, parce que il y a des personnes justement que ça peut stresser qu'on les voit pas et tout. Mais moi, ça m'a fait du bien. En fait, je me suis juste dit, mais en fait, je suis comme les autres, je suis dans la masse, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'avancer et de pas stresser. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui m'aide aussi beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est me donner des objectifs et surtout des petits objectifs. Je me suis juste donné des petits objectifs de choses qui me faisaient plaisir. Et voilà, bah là, je vais aller dans telle librairie. Et je pense que le fait de se donner des petits objectifs, ça permet d'avancer et de faire les tâches qu'on a envie de faire et de faire les choses qu'on a envie de faire. D'ailleurs, je me suis rendu compte que durant le vlog, je ne vous ai pas présenté le livre que je me suis acheté à Paris. C'était Gilbert... je ne sais jamais si c'est Gilbert Joseph ou Gilbert Jeune. À chaque fois, je confonds, je ne sais pas. Mais c'était... voilà, c'est Gilbert Jeune ou Joseph qui est dans le quartier Saint-Michel. Et il y a plusieurs de ces librairies qui ont fermé... assez récemment, je crois, ou c'était l'année dernière, je sais plus. Mais il en reste quand même, et notamment il y a la boutique internationale, donc avec des livres anglais. Et quand j'étais dans cette librairie, forcément, j'ai craqué et j'ai acheté Fire and Blood de George R. R. Martin. Je suis trop contente de l'avoir et j'ai super hâte de le lire parce que c'est un livre de George R. R. Martin. George R. R. Martin, c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est le top one. Et forcément, ça... C'est un livre qui se déroule dans l'univers du Trône de Fer, qui est ma saga préférée de toute ma vie. Mais ça, vous le savez déjà, je pense, parce que j'en parle tout le temps. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, mais assez récemment quand même. Et je le voulais en hardback de base, parce qu'il y a des illustrations dans le livre. Mais en fait, les illustrations sont également dans le poche. Attendez, je vous en trouve une belle. Bon, c'est pas très joyeux. Mais dans la version poche, il y a également les illustrations. Ah, celle-là. Elle est magnifique celle-ci. Donc je l'ai vue, c'était moins de 10 euros. Donc je me suis dit, bah écoute, je le prends. Dans ce livre, on suit l'histoire de la famille Targaryen. La famille Targaryen, c'est une des familles qui figure dans la saga du Trône de Fer et aussi dans la série Game of Thrones. Et là, c'est un livre qui se concentre sur la famille Targaryen et qui raconte son histoire. Je sais pas trop comment le texte est construit. J'ai un peu peur que ce soit... des faits. Par exemple, bon bah là, machin a fait ci, machin a fait ça. Mais sur... 700... sur 700 pages, j'espère que ce sera pas le cas, et j'espère que c'est un peu plus, que la prose est un peu plus bah comme dans le Trône de Fer en fait. Moi je m'attends un peu à un truc comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu peur que ce soit un peu plus factuel. Je pense en vrai que je vais pas tarder à le lire, c'est juste ça me fait peur parce que je sens que je vais passer beaucoup de temps à le lire parce que c'est un gros bébé, et surtout je vous ai pas montré l'intérieur, mais c'est écrit tellement petit, je souffre déjà, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis de toute façon, The Winds of Winter, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, personne ne le sait, George lui-même ne sait pas, je pense. Donc en attendant, il faut bien que je lise les autres livres de George R. R. Martin, et même faudrait que je lise ses autres livres au-delà du Trône de Fer en fait, parce qu'il a aussi écrit des romans de science-fiction, etc. C'est vrai que pour l'instant je me concentre un peu sur le Trône de Fer, mais j'ai bien envie de lire ses autres livres également. Et il faudrait que j'allume là, parce que ah oui, mais là je suis trop illuminée. Il fait beaucoup trop sombre, donc pour la peine, on va allumer une bougie pour rester un petit peu dans une ambiance automnale. Je suis pas restée... Ah, c'est bon. Bon, est-ce que ça fait gagner de la luminosité? Au montage, je vais me détester, je vais me dire mais pourquoi j'ai filmé dans cette luminosité pourrie. Bon, ça fait une petite ambiance, hein, écoutez. Je voulais juste aussi vous parler de samedi, parce que samedi, j'ai été au concert de Woodkid, et en fait, c'était prévu sans être prévu. En fait, on était à Paris, et après, pour rentrer... là où on voulait rentrer, on passait par Le Mans, et Woodkid ce soir-là était au Mans. On en parlait en se disant, ah, quand on rentre, on pourrait passer au Mans, comme ça on va au concert de Woodkid. Mais jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr. Je sais pas, on était un peu fatigués, on se disait, oh, est-ce que ça vaut le coup, ça nous ferait rentrer tard et tout, parce que en fait, il passait à un festival. Et ouais, jusqu'au bout, on a hésité, puis on s'est dit, mais en fait, on n'a qu'une vie, donc allons-y. Et on est allé au concert de Woodkid, et je suis en train de parler avec ça à la main. Et je vous jure, on a tellement bien fait de s'être décidé à y aller, parce que ce concert, c'était non seulement le meilleur concert de ma vie, après j'en ai pas fait des tonnes et des tonnes, mais je pense que c'était le meilleur concert que j'ai fait. C'était non seulement le meilleur concert que j'ai fait, mais c'était également un moment que je pense que je vais porter dans mon cœur pendant très longtemps et que j'oublierai pas. Ce concert était juste majestueux, magique, c'était incroyable, c'était beau. Il y avait un jeu au niveau de la lumière qui était
incroyable. J'ai jamais vu ça dans un concert. Souvent, il y a des petits trucs de lumière par-ci, par-là. Mais là, vraiment, il y avait... tu sentais que chaque détail du concert était pensé et réfléchi. Vraiment, c'était visuellement, c'était magnifique. Vivre en live, ça te fait passer par toutes les émotions possibles. Genre, tu danses et deux secondes après, t'as envie de pleurer. C'était incroyable. Ce concert, tout simplement, m'a fait encore plus aimer Woodkid parce qu'il avait en plus une interaction avec le public. Moi, j'ai jamais vu ça dans les autres concerts. Dans les autres concerts que j'ai pu faire, oui, les personnes discutaient avec le public, mais voilà quoi. Alors que lui, tu sentais qu'il était heureux d'être là. Et c'était trop beau à voir. Moi, ça m'a juste bouleversée, ça m'a juste émue. Et j'ai très envie de le revoir en concert. Et j'aimerais conclure cette vidéo sur une réflexion que je me suis faite pendant le concert. Je me suis dit, mais je suis reconnaissante d'être encore en vie et de m'être fait confiance parce que la Solène du passé doutait fortement et se disait, mais je ne serai jamais heureuse en fait. Ça peut peut-être paraître idiot ou drama, mais vivre ça, ça m'a rappelé d'à quel point la vie peut être belle et ouais, tout simplement, à quel point j'étais reconnaissante de pouvoir vivre des moments comme ça. Donc tout ça pour dire que... allez voir Woodkid en concert, écoutez Woodkid. Et en plus, vraiment, le concert, je pense... je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, même si t'aimes pas Woodkid, même si t'aimes pas forcément ses chansons, tu peux kiffer le concert. Vraiment, tellement c'est un spectacle et tellement c'est majestueux et trop beau. Je pense vraiment que si vous avez l'occasion... vraiment foncer le voir, parce que moi c'est vraiment le meilleur concert de ma vie en fait, vraiment, enfin pour l'instant. Mais vraiment je suis trop ravie d'avoir vécu ce concert, et là d'avoir vécu ces quelques jours à Paris, et d'avoir marché toute seule, et j'ai envie de mettre en avant ça parce que en fait je pense que pour certaines personnes, ce que je dis là c'est des choses assez banales et c'est pas assez extraordinaire, mais moi je suis juste tellement heureuse juste de m'être baladée toute seule dans Paris. Je suis fière de l'avoir fait et j'ai vécu des trop jolis moments, même tout simples, mais j'ai vécu des trop jolis moments. Et ce concert de Woodkid, c'était magique et je suis trop heureuse de l'avoir vécu et je suis super reconnaissante aussi. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Je sais pas à quel point je laisserai ce que je dis au montage parce que j'ai l'impression d'être très drama et un peu idiote. Mais je trouve ça important aussi de partager les petites choses de la vie et surtout ces petites choses qui nous rendent heureux. Et si je dis tout ça, la caméra, je pense aussi, c'est un peu un moyen de me le rappeler, tu vois, pour un autre moment où j'irai pas bien, où je me dirais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tu vois. Et ben, je pourrais me rappeler de ces moments à Paris et du concert, et ça pourrait me faire dire que ben, j'ai été reconnaissante de vivre ces moments. Et la Solène du futur sera reconnaissante d'être restée en vie pour vivre encore d'autres moments comme ça. Sur ce, je vais vous laisser dans cette ambiance très spooky. On dirait que je filme une vidéo d'Halloween. En fait, c'est beau, j'aime bien ce plan. Je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, mais je trouve ça joli. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le montrer avec un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. Sur ce, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec une ambiance peut-être un peu moins spooky.